Salut à tous, ici Raph Trollson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur le compte de Xmosso pour faire un petit tune-up pour regarder quelle direction prendre. Alors, déjà, on va faire un petit tour des héros. Le compte est assez garni. Clairement, il y a de quoi faire. Moi, je vois une seule maison. Alors, je pense qu'il y en a ouvert plusieurs. Combien il y en a? Ouais, c'est ça, il y en a 4, 5. Ouais, sachant que, alors si on regarde ici, il a max. Hop, il a max ici. Alors, là, la flora, elle est pas V3 plus. Donc, à la rigueur, on peut toujours gagner un petit peu d'attaque avec ça. Et les autres maisons, un truc niveau 4. 50, ouais, ça pourrait valoir le coup de mettre quelqu'un dedans. Et un petit peu là. Ok. Donc à la rigueur, pas trop dégueulasse. Là on a 5 millions. Je pense que si on reset le Drake. Hop, pour passer Flora V3 et des bananes. On devrait gagner un petit peu plus. Ouais, devrait. Hop, là il te manque. Il te manque ça. Attaque, attaque. Ouais, il te manque que des shards en fait là-dedans. Là, il a ce qu'il faut. On va les mettre. On va juste regarder combien ça rapporte. Hop. Allez. C'est pratique depuis qu'ils ont fait ça, mais c'est toujours un petit peu long. Bon, ça n'a rien à voir quand on faisait des resets. Des resets avant où on se tapait littéralement 90, enfin on se tapait 400 clics, donc c'était assez dissuasif de bouger les shards. Mais on le faisait aussi moins souvent. C'est ça qu'il faut se dire. Et là, hop, juste ça. Et là, on est monté, voilà, on a doublé l'attaque. Et donc la VESA doit être à 6 millions 2. 6 millions 1. Ok. Donc là. Alors, je pense qu'avec ce qu'il a, il a dû certainement taper le vortex. Non. Ok, donc il doit pas être loin. En vrai, il doit pas être loin. Il doit pas être loin de finir le vortex. Parce que toi, t'as combien? T'as 2162 speed. Et si on te met ça là? 2276. C'est pas loin, sachant que elle. Elle serait comme ça, 2130, 2130, 2350. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il est pas loin de, il est pas loin d'avoir le prérequis pour faire le vortex easy, on va dire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. 6 millions 2. Qu'est-ce qui a bougé là-dedans? Donc, ça c'est plutôt cool. Ça c'était déjà une bonne chose. Ah oui, c'est parce qu'elle a un speed attack. Okay. Donc ça c'est une bonne chose pour le Vortex. C'est-à-dire que ça va bientôt arriver. Et en gros, il faut juste qu'il soit capable de claquer quelqu'un. Alors après, si on continue, ici on voit 5 millions. Donc là, il faut se poser la question de faire une prochaine transe. Prochaine transe, ok, mais qu'est-ce qu'on a ici au niveau. Donc là, il a fait aucun scroll. Est-ce qu'il a acheté des trucs? Non, il a raison. Alors, hop, si on regarde ici le mairie, tac, tac, les récupère, c'est Firecraft. Si on regarde vite fait l'event, moi je pense que c'est un skip. Alors, perso, je le ferai pas. Parce qu'en fait, même la partie free to play, je pense qu'on arrive difficilement à la fin. À la fin ici. Donc, voilà. Je vois pas l'intérêt en fait d'y aller. Parce que là, ça va donner donc 350. Ah, si on regarde ce qu'on peut récupérer juste en free to play, d'accord.
Donc 350 divisé par 10 fois 8, ça fait 280. Donc on fait une ignis, d'accord? Ici, si on dépense 40 000 gemmes et qu'on les fait tous, donc on en a 35 par jour, plus 200. Là, si on fait donc 235 divisé par 5 fois 3, plus 280, ça fait 421. 421, ça nous amène à 170 ici. Voilà. Ça, il y a un cut là en fait. On va récupérer ce chest et après c'est mort. Ça veut dire que pour récupérer 70 en plus, bah faut prendre un pack. Donc là c'est juste pas intéressant en fait. C'est un gros gros bait. Là faut pas y aller sur cet event. Voilà, ça c'est dit. Alors après, une fois qu'on a dit ça, on va se poser la question de dire, ok, ici là 700 000 d'essence. Ça, c'est énorme. Ici, il a deux chests à 45 et trois chests à 30, plus quatre chests à 50 pour les corps. Donc là, en gros, il va pouvoir faire des trucs vraiment pétés. Alors là, il y a deux choix à faire. Je pense que le premier choix, pour moi, ça serait de transcender Freya. Parce que là en fait il est à 50 000 d'essence, donc c'est-à-dire l'équivalent de 2 semaines d'attente à peu près. Il a 50 000 de pouvoir T5 Freya, et quand on T5 Freya non hop Freya T5 bam. Et quand on vient ici, alors là, on vient faire évoluer son troisième passif. Donc sachant qu'il a déjà 180 000 disponibles pour n'importe quel sublime. Et donc, on vient sublimer le passif. Donc ça gonfle un peu Freya, ok. Hop, ça augmente à 3 tours les facteurs d'évolution. Et là, ça dit que quand elle a 3 layers, elle donne 33% de son effet à tous ses alliés. Et donc en gros, quand on relit, layer 1 il fait rien, layer 2 il fait rien, par contre layer 3, ça dit que ça augmente les dégâts faits aux cibles empoisonnées de 10% et ça augmente la propre attaque de 12% et la vitesse de 15%. Et donc si on dit qu'on donne 3% de son, enfin 33, un tiers de son effet à tous les alliés, c'est-à-dire que les alliés vont augmenter leurs dégâts de 3% aux cibles empoisonnées, leur attaque de 4% et leur vitesse de 5%. Voilà. Donc en gros, c'est bonjour, toute ma team fait plus de dégâts. J'évolue toute ma team en fait. Alors, les deux premiers layers, ils sont pas mal, hein. Damage réduction de 40, contrôle immunity 35. Et après, oh là là, ils attaquent by 22%. Ouais, ça, c'est-à-dire que ça va donner plus. Enfin, ça va donner beaucoup d'attaques en fait. C'est-à-dire que les layers 2 et 3 sont pas mal. Les layers 2, ça augmente de 22%, c'est aussi énorme. Enfin, là en gros, il y a tout qui va se cumuler. Et donc c'est juste débile en fait. Donc voilà. Là. Je pense que vu le stack de ressources, pour moi, c'est Freya la prochaine. Je vois pas comment ça peut être autrement en fait. Parce que là, on parle de. Alors je vais vérifier le chiffre. Hein. On parle. Hop. Quand ça voudra bien me charger. Non, ça va pas. C'est au moins 700 000 en fait. Je crois que c'est 750 ou un truc comme ça. Hop, ça va arriver. Tac. Alors, hop, 780. Donc là, il est à 80 000 de farm. Après, ce qui pourrait se passer, c'est que il pourrait envisager de régresser un des héros. Typiquement un Aspen, il récupérerait 100 000. Et là, il serait setup pour.
pour globalement là, pour tout en fait. Enfin là, il arrive, il dit, moi je suis prêt pour, je suis prêt pour l'expédition stellaire. Il va gagner un overall ici. Alors, après, ce qui va se passer, c'est que là, en fait, tac. Ah oui, et du coup, en ayant T5 Freya, il peut large clear ça. Parce qu'en fait, il faut qu'elle soit T5 pour clear le Sealand. Et la Veza aussi. Donc voilà, plutôt que de le laisser avec un T4 qui fera rien, je pense que là il faut limite attendre en fait et repasser pour voir. Après, il va se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec les deux chests de. Enfin, avec les deux corps. Ça, c'est une vraie question. C'est une grosse, grosse question parce que là il n'a pas Holmes en fait, d'accord? Hop, si on regarde ici, il pourrait prendre Freya en niveau 2. Ça dit que au début de la bataille et à la fin de chaque tour, elle va coller un pistil à un allié. Et à chaque fois qu'un allié fait une attaque, il peut envoyer du pistil à un autre allié. Et ça augmente de 17% l'attaque. Ouais, donc en gros. Hop, after being for 4 times, open. Ok. Donc en gros, bon, ça va buff un petit peu l'équipe au hasard. C'est pas. Enfin. C'est fort, mais il faut que ça tombe juste. Ça rajoute beaucoup de RNG. Je suis moins fan. Il pourrait partir sur un corps de ça, d'Holmes. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'un allié se fait taper. Il va récupérer 3%, 3,5% de ses HP max et son attaque et son armure vont augmenter de 6% pour 2 tours. Et là, on est à 5. Là, l'idée en fait de ça, en fait, il y a plusieurs choses. C'est que ça augmente l'armure et l'attaque à chaque fois qu'on se fait taper. Et après, quand un allié meurt, on peut mettre Perpetual Disorder sur deux ennemis, sur deux ennemis qui ont la plus haute attaque pour un tour. Ça, ce que ça offre, c'est que quand on n'a pas, quand on va pas taper en premier dans un fight, en gros, on va taper plus fort après. C'est augmenter l'attaque de 6%. On va dire qu'on prend un cas comme ça, par exemple. D'accord? 6 millions 1. On va dire qu'elle prend, par exemple, 3 coups et que c'est une augmentation fixe. Ok? Donc, elle va prendre bah 18%. Elle arrive à 7 millions. Voilà, c'est ça que ça dit en fait. C'est même 7 millions 2. Donc le corps, il est vraiment pas à négliger. Le corps de Holmes. Après, c'est Holmes, c'est pas quelque chose qu'il a fait. Et je pense que là, s'il veut se mettre bien, pour moi, il n'a pas besoin du corps de Holmes avant longtemps en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Là, je pense que pour le niveau où il en est sur la campagne. Faut juste qu'il essaye de burst un truc assez sale, un truc comme ça. Hop, voilà. Le Aspen, il peut faire ça. Il a 2126, ouais. Toi après, tu veux faire des dégâts. Toi t'es flagué, c'est bon, ça marche aussi. Hop, et toi t'es flagué, mais t'es pas tenant, toi. Toi, t'es pas tenante, alors on va faire ça plutôt. On va te donner de l'énergie et on va donner un flag ici. Et si on donne un flag ici, à combien il passe? 6 millions 4. Ouais, non, c'est nul. 200k d'attaque, ça fera pas la diff. Et donc là-dedans, ce qu'on veut, c'est on veut jouer peut-être un truc comme ça. Genre toi. Queen, elle est en slot 4 en face. On va jouer Phoenix. T'as encore de ça pour la survivabilité. On va checker quelques fights vite fait. Mais ouais, là je pense que. Donc là, bon, la Veza va se faire des pop. Qui c'est qu'on a perdu? C'est Eos qui a un suicide. Ah, c'est pas un bon deal, Eos suicide. Après, là, ce qu'on se dit, c'est que. Ouais.
Ça va manquer un peu. On n'est pas loin, ça manque un peu de patates, mais. Alors, EOS, pas suicide, déjà. EOS, pas suicide, hop. Là, normalement, on est plus rapide, donc si on prend des coups, on devrait stack l'énergie plus facilement. Tac, voilà. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est que on est à pas loin du one shot. Donc, ouais, peut-être que si on buff, peut-être que si on arrivait à buff, comment ça s'appelle? Ouais, ça c'est pas mal. Ah, dommage. Peut-être que si on buff Jara avec un flak trans. Et un 1-3 split. Genre comme ça. Peut-être que là, ça a plus d'impact. 6 millions 4. Tout à l'heure, c'était quoi? C'était 200K. Bon, peut-être un truc qui est pas bon. Là, ce qui est sûr, c'est que si elle tape deux fois le même gonze en face, ils se font des pops, hein. Bon, il y a un problème parce que EOS se meurt toujours, mais. Tac. EOS meurt toujours. Être la plus faible. Oh, on n'était pas loin de des pop queens, c'est dommage. Ouais, en gros, ça tient à pas grand chose son truc. Ok, Queen est morte, ça c'est plutôt un bon deal. Tac. Ah, là on n'est pas loin. Après, ce qui va se passer, c'est que Aspen, il faudrait qu'il se fasse attaquer par. Ah, dommage. Ah, si, ça peut peut-être marcher parce qu'ils ont moins de crit. Tac. Et après. Ah, on n'était pas loin. Hein. On va regarder. Alors déjà, elle a shooté Drake. Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a tapé Drake. Ensuite, il y a eu trois fiers de fée. L'ulti, il attaque Aspen. L'ulti d'Aspen a tapé SFX. Donc là, en fait, je pense qu'on est peut-être sur un des meilleurs départs qu'on a. Hop. Il me manque pas grand. Ah, là, il manque en gros que 10. Tac. Il manque que 10. En vrai, là, on est plutôt pas mal. Parce qu'après, sur le prochain ulti de Veza, ça va mettre une sacrée praline. On perd même pas SFX. Parce que le prochain ulti de Veza, il met une grosse praline. Ouais, ça c'est de la praline, ça. C'est plutôt pas mal. Et voilà. C'est fait. Bon, c'était juste un petit problème d'énergie. Tac, je pense qu'il sera content. Je sais pas s'il tryhardait un peu la campagne, mais au moins c'est fait. Il va pouvoir avancer. Va pouvoir avancer sur ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et là après, sur ce genre de level, si on passe pas les doubles Héloïse, il faut juste envisager un peu plus de précision sur les imprints pour passer au travers du bloc. Parce qu'en fait, on perd 30% de dégâts faciles. Donc c'est un petit peu embêtant quand on fait 30% de dégâts de moins que prévu. Là après, voilà. Partir. Alors, peut-être que Jarret devrait reprendre un riz, je pense. Un truc comme ça. Là, ce qui s'est passé, ouais, on a pris une malédiction d'Annabelle. Okay. On va pas faire plus de dégâts que ça, mais voilà. Le setup, je pense que c'est là. On est rendu sur pas mal de RNG. Donc, après, si on arrive à faire un bon feat sur Jara, je pense qu'on sera bien. Il y a trois démons de Belle qui vont tourner, plus un ulti de Veza. Voilà, si on arrive à survivre un petit peu, je pense qu'on est plutôt bien.
Et là, je pense que normalement, on devrait arriver à chain un peu les ultis. Si ça se passe bien, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Une ou deux pralines de Veza et c'est bon. Ouais, dommage, on a perdu à la marque. Mais l'idée est là. Donc après, bon là, Aspen, il fera rien. Il fera plus rien tout seul. La SFX, elle est flag. C'est juste mort. Mais voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Donc au moins, il a avancé sur ça. Il a récupéré des trucs. Voilà. Et donc je pense que d'ici pas longtemps, il va pouvoir commencer à grind les shards là-dedans. Après, globalement, si on tune un petit peu son setup davantage, avec un peu plus de tryhard et en essayant de mettre en maison, ben, je pense que ça va être Jara. Parce qu'en fait, alors ce qui va se passer, c'est que là, il a, hop, pour Veza, ah non, c'est dommage. Dommage. En fait, je sais que, donc, on peut rentrer une Freya à la place des SFX. Après, sinon, il peut garder sa Freya comme ça en attendant pour sortir Jara du Tenant et la mettre en Homeowner en deuxième. Bon, ça va être quelques trucs à, ça va être des trucs à essayer, mais donc voilà, va falloir essayer pour voir ce que ça donne. Après, là, il est quand même stack au niveau des artefacts. Là, sinon, ce qu'il faut viser, c'est un deuxième Tenant. Ok. Fausse manip, c'est plus que. Ouais. La question était, est-ce qu'on veut sortir un nouveau. Enfin, en gros, est-ce qu'on veut garder cette Freya là pour la mettre en tenante à la place de Jara et sortir Jara? Je sais pas, sinon ça vaut le coup de mettre Aspen en maison. Voilà, ça va être à débattre. Globalement, ça devrait lui permettre de progresser. Son compte est assez stack. Je me fais pas de soucis pour la suite. Je pense qu'en travaillant un petit peu, ça va le faire. Il n'y a pas de raison. Sachant que là, j'ai vu une deux flags trans, deux flags forêt. Il a commencé à avoir des flags un peu partout. Ouais. Je pense qu'en termes d'artefacts, il est posé tranquille. Donc ça c'est plutôt une bonne avancée et globalement moi ce que je conseillerais sur son cas lui, étant donné qu'il est full ici en termes de ressources, c'est passer Freya en T5 et mettre les 180K dans le passif 3, histoire d'augmenter ses dégâts. Et ça permet du coup de jouer des persos, enfin ne pas jouer des persos qui sont flag comme ça. Voilà. Parce que toi, t'es. Après, ça, c'est des belles copies qu'il a. D'accord. Mais elles sont tenantes, quoi. Donc, sinon, le truc, c'est de build une deuxième Freya. Parce que toi, les copies, ouais. Toi, les copies, build une deuxième Freya et dégager un panda qui servent plus à rien à l'heure actuelle. Ouais, je pense que c'est ça le move en fait. T'as quoi comme copie ici? Ok. Hop. Et si jamais il fallait en acheter une. Si jamais il fallait en acheter une. Une pas trop dégueu. Qu'est-ce que ça donnerait? Ouais. Alors, c'est un peu plus cher que ce qu'il a en termes de gemmes à dispo. Hop. Alors, s'il faut privilégier un truc, c'est plutôt l'attaque. Donc, si on fait hop, attaque descendante. Voilà. Là, alors, le prix des tiers a normalement été capé. C'est-à-dire que tout ce qui est B, on ne devrait plus en trouver au-delà de 3500 en buyout. B- c'est censé être capé, je crois, à quelque chose comme 1500. Après, il faudrait voir ce qui pourrait rentrer dans un budget comme ça. Un truc comme ça, là, ça pourrait être cool. Hein. Dire c'est pas dégueu, c'est pas cher.
Et là, ça permet de garder du coup la fria là en tenante et de passer ça en de swap un panda sur une deuxième fria, comme ça il a un peu tout et il peut être tranquille. Je pense que c'est ce que je ferais. Faut cesser un petit peu le temps de la réflexion parce que là il est à 80K à peu près de. Il est à 80K de pouvoir la T5 instantanément. Et du coup, après sur le corps, bah, va falloir voir. Faudra voir. Sinon, l'autre alternative qu'il y a et que je suis en train de tester, c'est Mockman. Le truc, c'est que Mockman, dans la campagne, il a besoin de beaucoup de ressources. Je suis pas sûr qu'il a envie de se le permettre. Je pense même pas que ce soit une bonne idée à ce niveau-là. Je pense qu'il manque encore un petit peu de punch pour se permettre de T5 en Mockman. Parce qu'en fait, il va être fort à partir du moment où il a. Au Mockman, c'est son passif 2. Donc là, je pense que le plus simple, c'est de partir sur Freya, qui va pouvoir lui donner un gros overall de dégâts. Et après, quand il sera stuck, je pense qu'il va être stuck vers le 2-5, voire 2-6. Là, il pourra envisager un Mockman pour débloquer la situation. Mais d'ici à ce qu'il y arrive, ça devrait être plutôt pas mal pour lui. Donc voilà, en résumé, là, il peut partir pour clear le 1-7. Pas de problème, je pense que c'est la RNG qui va faire. T5 Freya, sublimer le passif 3, et à la rigueur, rebuild une autre Freya en swappant un panda. Je pense que ça se discute et que ça tient la route. Comme ça lui permet de sortir Jara de la maison. Enfin, Jara de la location. Et dans le pire des cas, il a quand même 4 chests pour se faire un autre flag transcendé. Et ici, il a. J'ai vu passer 1000 reliques. Donc en gros, il pourrait, sur quelques semaines. Alors là, ça mène reset. Mais il pourrait acheter des flags si nécessaire. Donc, mais en termes d'artefacts, je pense qu'il est stack et qu'il a tout ce qu'il lui faut. Alors, c'est quoi le bâtiment? C'est celui-là? Non, c'est pas ça. Ça, non plus. Sinon, on fait hop. Voilà. Soyons pas bêtes. Donc là, en gros, ça, j'en ai vu un. Ça, j'en ai vu un. Ça, je n'ai pas vu. Ça, je crois que j'en ai vu un. Donc là, 2 AMB, un Snowheart, 2 Ruy. Voilà. Alors là, il a tous les artefacts pour la campagne, ça c'est sûr. Je pense qu'il n'a pas besoin de plus. Est-ce qu'il aurait des chests d'artefacts? 6. Ouais, tranquille. Donc, pire n'est que. Ah ouais! Et t'en as deux en plus. On va choper où cela? Là, ça te fait 4 millions de ressources. 4 millions de. Là, il faut forcément prendre un truc de l'île céleste. Alors, a priori, ça va être. Ça serait quelque chose comme les trucs. Comme ces matériaux-là. Ouais. Parce qu'en fait, par rapport à une maison, pour monter max une maison, c'est 20 millions. Là, le chest, il donne 2. Donc, c'est 10%. Donc, en gros, là, il a 4, un quart d'une maison. Donc, ça fait des maisons peut-être 40-50. C'est juste énorme. Par rapport à ce qu'il a de côté ici, là, le 1 million. 1 million de master de toolbox, pardon. Je pense que c'est hyper intéressant. Ouais. Donc, ça, ces coffres-là. Alors, ces coffres-là, ouais, il faut mieux prendre rock et fluorite. Parce que c'est là qu'il y a les transcendés en location. Donc c'est là qu'il y aura le plus de stats afférentes en fait au héros. Et après, les autres ressources qui vont être le bois. Et c'est bois et quoi les autres ressources? Tac. C'est bois et lingots de fer. Ça va globalement jouer pour la spin. D'accord? Parce que là on voit que.
Flora, elle lui donne 600 000. Elle lui donne 2 millions. Donc, ok, il y a une différence entre V3 plus attaque et T3. Mais là, on est quand même loin du niveau, quoi. Donc, en fait, les 1 et 3, ils jouent pour la speed. Et les 2 et 4, c'est speed plus attaque qui vont rapporter au héros. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir, en fait. Et donc du coup, n'hésitez pas à, pour les héros qui vont porter des flags et qui vont être un peu inutiles, à faire du attaque-attaque et du 1-3 split. Voilà, bon, j'espère que... Alors, il n'y a pas trop de spectacles à ce niveau-là, mais il y a beaucoup de ressources pour en faire dans pas longtemps, donc ça c'est plutôt cool. Et par contre, j'ai vu qu'il avait des trucs en rab, donc... Ah oui, bon, en fait, il lui manque de la dust. Et il va pouvoir augmenter les trucs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, à suivre au prochain épisode. Après, ici, il a quand même 485 coffres. Donc 485, ça fait... Ça commence à faire. Si on fait x2,5. 485 x 2,5. 1,2 million. Ouais. C'est un petit peu loin, mais ça fait 6,3 millions ici. Ou 2 millions de là. Ouais. De toute façon, il va avoir besoin de shards, donc dans tous les cas, ses coffres, pour moi, s'il ouvre ses coffres, c'est que pour ses shards. Parce que là, ça va commencer à lui piquer. Parce que là, il a 2 millions, 3 millions. S'il veut la T5, juste T5, pas au max. T5, pas au max, il va avoir besoin de 6 millions de shards. Donc là, il y a 2, 3, 4, 4, 7. Voilà, 7 avec Drake. Non, même pas. Même pas parce que il faudra qu'il aille piocher dans le Rogan aussi. Ouais, il va manquer de shards à un certain niveau. Non, bon, après ça va se discuter, il va pouvoir jongler, mais ses coffres il les ouvrira que pour les shards. Voilà, bon, ça fait un peu beaucoup d'infos, j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao ciao!